Chapitre 3. La naissance de Jean-Baptiste. L'ange Gabriel a dit à Marie qu'Élisabeth allait aussi avoir un garçon. Marie et Élisabeth étaient parentes. Marie a rendu visite à Élisabeth. Le Saint-Esprit a dit à Élisabeth que Marie serait la mère de Jésus-Christ. Marie et Élisabeth ont remercié Dieu de les avoir bénies. Marie est restée environ 3 mois avec Élisabeth. Puis elle est rentrée à Nazareth. Le fils d'Élisabeth est né. Ses amis et sa famille étaient heureux. Ils pensaient que le bébé aurait le même nom que son père, Zacharie. Mais Élisabeth a dit que son nom serait Jean. Tout le monde était étonné. Les gens ont demandé à Zacharie quel devrait être le nom du bébé. Zacharie, qui ne pouvait toujours pas parler, a écrit « Jean est son nom ». Alors Zacharie a retrouvé la parole. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a dit aux gens que Jésus-Christ allait bientôt naître et que Jean préparerait les gens à sa venue. Jean a grandi et est devenu un grand prophète. Il a parlé de Jésus-Christ aux gens.